Bonjour, Bonjour! comment ça va? Alors aujourd'hui, on voudrait vous souhaiter un joyeux Noël, même si on n'est que le 22, hein, mais, et que Noël c'est le 25, mais c'est la dernière vidéo avant Noël. Alors joyeux Noël à tous! Joyeux Noël! Et alors pour cette vidéo, eh bien, on va faire un peu de culture, une page culture. On va voir Oui? comment les Français fêtent Noël en France. Alors, je te propose, Pierre, moi je te pose des questions et toi tu réponds. D'accord, et comme ça j'explique. Et attention, retenez bien le vocabulaire spécifique des fêtes de Noël parce qu'il va y avoir un quiz à la fin. On vous laissera le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous et on commence. Alors, première question, Pierre. Je sais que le jour de Noël, c'est le 25 décembre, Oui. mais en fait, c'est toute une période, hein. Donc, quand est-ce que ça commence exactement? En Ah, France. très bonne question. Alors, en fait, c'est devenu tellement commercial, Noël, Oui, c'est vrai. que en fait, ça commence presque un mois avant maintenant, En gros, hein. c'est après Halloween. Hop, c'est Noël. Oui, enfin, Halloween, bon, c'est vrai qu'on le fête de plus en plus en France, mais normalement, on ne le fêtait pas avant, hein. Mais bon, maintenant, c'est presque un mois avant parce que c'est commercial, donc il commence à y avoir des sapins dans les rues, il commence à y avoir, je ne sais pas, des papas Noël qui se promènent dans les rues devant les grandes surfaces, là, pour attirer les petits Oui, enfants, le Père Noël. tout est décoré en rouge, vert. Voilà, il y a les vitrines, c'est joli, il y a les décorations aussi dans les rues des grandes villes en France. Mais on va dire que les gens, ils préparent le sapin de Noël et la crèche pour les chrétiens. Une En dizaine de jours décembre. avant, une dizaine de jours avant Noël. Mais attends, attends, là, il y a du vocabulaire, là. T'as dit crèche, le sapin de Oui. Noël, Alors, voilà. le sapin de Noël, il y a plein de vocabulaire intéressant. Alors, déjà, on ne dit pas un arbre de Noël, on dit le sapin. Oui. Sapin, c'est un peu comme un pin, hein, c'est un résineux, là. Non, comment on dit C'est une Il y a conifère. les feuillus et les conifères, c'est ça, hein? Donc là, on en a un. Et puis, alors, on le décore avec des guirlandes. Alors, la guirlande, c'est féminin, d'accord? Ouh là là. C'est ça. Et Et des boules. voilà, et les boules du sapin. Et en haut, il y a l'étoile, souvent. D'accord? Bon. Et alors, au niveau de la crèche. Alors, la Oui, crèche, c'est d'accord, une c'est la... garderie. Ah, c'est une garderie pour les petits, pour les Oui. enfants, c'est vrai. Mais c'est aussi dans le contexte de Noël. En fait, c'est la représentation de la naissance du petit Jésus avec Ah, Joseph, oui, on Marie, met l'âne, la vache, le bœuf, le le bœuf, le bœuf, bœuf, l'âne et le bœuf et les et les trois trois rois rois. mages qui arrivent. Donc, en fait, quelque chose qui peut être intéressant, c'est ces petits personnages, donc les gens ont une crèche souvent, des corsins, hein, les chrétiens, et ces petits personnages qu'on met qui représentent Jésus, l'âne, le bœuf, enfin surtout Oui. les humains en Là, fait, c'est un petit Père Marie. Noël, mais bon, oui. Alors ça s'appelle un santon, d'accord? Un Santon. santon, voilà. D'accord. Donc, tous les préparatifs commencent un mois avant ou 3 semaines avant, Ouais. mais le jour de la fête, c'est donc le 25 ou il y a quelque chose Alors, le avant? 25, c'est le jour férié, hein, c'est un jour férié, les Oui. gens ne travaillent pas, et c'est le vrai jour de Noël. Mais la fête et un peu la célébration, c'est en fait le 24, le Oui. 24 au soir, Oui. principalement. Bon, alors là, les chrétiens, normalement, vont à ce qu'on appelle, avant, on appelait ça la messe de minuit. Alors, messe de minuit, parce que normalement, traditionnellement, c'était à minuit. Mais maintenant, plus personne ne le fait à minuit, c'est trop tard, les enfants n'en peuvent plus. Donc, en fait, D'accord. c'est le soir vers 8 heures. Et ceux qui sont pas chrétiens? Ceux qui sont pas chrétiens, il y en a qui fêtent rien du tout. Mais généralement, ils aiment bien quand même mettre le sapin. La crèche, non, mais au moins le sapin. Et puis les Oui. cadeaux, on va parler des cadeaux après. Oui. Bon, alors, le soir, il y a un dîner. C'est le réveillon de Noël. Et là, c'est un dîner vraiment en famille, Oui. généralement. Alors, on arrive au repas de Noël. Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement en France à Noël? Alors, on mange en fait plein de bonnes choses. Donc, par exemple, du foie gras, comme par exemple, il peut y avoir des petits toasts avec du caviar aussi, ou une imitation de caviar. Oui. On va évidemment ouvrir le champagne à l'apéritif, puisque le champagne, c'est Ah. quelque chose vraiment traditionnel pour Pour tous les fêter, non? événements. C'est Oui. ça en France. Et du vin Et un peut-être. bon vin comme un Bordeaux, par exemple, hein, dans ma ville, hein, je suis de Bordeaux. Et après, il peut y avoir plusieurs plats, mais en général, je sais pas, des huîtres, par exemple. Mmh, Ça, des des huîtres, huîtres. c'est assez typique parce que c'est la saison.
Après, chacun peut avoir un plat Oui, différent. mais est-ce qu'il y a un plat vraiment, vraiment typique? Alors, oui, il y a un plat typique, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça, mais le plat typique, normalement, traditionnellement, c'est la dinde au marron. Voilà, La une dinde, dinde au marron. c'est comme un gros poulet, quoi. Oui. Et on met des marrons, en fait, des châtaignes dedans. On Et voilà. fourre la dinde. Oui, exactement. D'accord, et après, est-ce qu'il y a un dessert typique ou... Alors, toujours pareil, hein, on peut faire plein de desserts, des gâteaux, etc. Alors souvent, les enfants préparent les fruits déguisés. C'est souvent en fait des fruits secs comme des noix Ah oui, avec une et pâte avec de la d'amande. pâte d'amande. Et ils font souvent des petits bonhommes comme ça. Et on appelle ça des fruits Des fruits déguisés. déguisés, ouais. Et alors, le dessert normalement traditionnel, c'est la bûche de Ah Noël. oui. Alors, on a fait une vidéo l'année dernière, Oui. justement, où on a fait la bûche de Noël. Un Donc, peu on vous laisse compliqué, le lien. mais... Un peu compliqué. Oh, bah, c'est de la glace avec du gâteau à l'intérieur. Non, Et ça, c'était oui, roulé c'est roulé. avec du chocolat partout. Et ça ressemble en fait à une bûche. Alors, une bûche, c'est quoi? C'est un morceau d'un tronc d'arbre, quoi. Un morceau d'une branche d'arbre qu'on Qu'on met met dans la dans les cheminée, cheminées, normalement. oui. Voilà. C'est la bûche, mais glacée, en fait, généralement. Et est-ce que vous avez des chansons typiques de Noël? Ah oui, je sais que pourquoi tu me demandes ça, parce qu'en Espagne, c'est très traditionnel de chanter les chants de Noël. Pas autant qu'en Espagne, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des chants typiques. Alors, on les chante pas systématiquement tout le temps à table et tout ça. Bon, à la messe, on peut chanter Douce nuit. Et puis, il y a des chants typiques comme Ah oui, celle-là, elle est nanana, très bizarre. En français, c'est Vive le vent! Vive le oui. vent, vive le vent! Vive le vent d'hiver, la 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 la, et bonne année grand-mère. Et on arrive au cadeau de Noël. Ah, les cadeaux. Donc là, c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, d'accord? On l'appelle le Père Noël, on peut dire Oui. le Papa Noël. Et donc en fait, avant d'aller se coucher, le 24 au soir, chacun en fait met ses chaussures. Oui, des chaussettes avant, non, suspendues à la cheminée. Non, des chaussures en France Oui. devant la cheminée, si on a Oui. une cheminée, ou sous le sapin. Donc, pour savoir en fait où le Père Noël doit mettre les cadeaux pour chacun Ah devant les voilà, le Père chaussures. Noël va mettre les cadeaux dans les chaussures de chacun. Voilà. Et alors là, après, les enfants vont se coucher. Et le lendemain matin, le matin du 25, c'est un des plus beaux moments pour les enfants. Ils se réveillent et ils voient plein de cadeaux Voilà. Donc près c'est du Ouais, sous le sapin ou de la sapin ou devant la cheminée. cheminée pour les gens qui ont une cheminée. Et donc le 25 au matin, donc on ouvre les cadeaux, c'est férié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit déjeuner en famille Ben ou... alors, bon, déjà, d'ouvrir les cadeaux, et puis alors, il faut monter le circuit de train, le machin, donc ça prend un peu de temps. Oui. Mais effectivement, c'est un jour férié, les magasins sont fermés, tout le monde reste en famille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est marié, souvent, eh bien, le 24 au soir, on le passe, par Avec une exemple, famille. avec une famille, donc soit chez la femme, soit chez le mari. Oui. Et souvent, du coup, le 25, en fait, le déjeuner du 25, on va le passer dans l'autre famille, si tu veux. On Voilà, il se faut qu'ils partage. habitent pas trop loin, hein, parce que sinon, Sinon, c'est c'est pas un peu possible. compliqué. Donc, voilà, c'est là que des fois, des petites tensions. Se créer entre familles. Alors on va chez ma mère, non, on va chez tes parents. Voilà, bon, mais en général, très souvent, c'est ce que font les Français pour se partager un petit peu. Et donc, en fait, il y a comme un autre réveillon, le Oui, 25, en fait, au c'est un autre déjeuner. repas de Voilà, famille avec une voilà, autre dinde au voilà. marron. Alors, comme on a déjà énormément mangé le 24 au soir, et qu'on a bu, en général, celui du 25, c'est un peu dur. Mais voilà ce qui se passe souvent. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour hein, de Noël en France. Alors, vous, racontez-nous comment ça se passe chez vous, Noël, ou quelles sont les différences avec la France. Ça nous intéresse beaucoup. Ouais, souvent il y a des petites différences et c'est vraiment très intéressant. Donc, on vous souhaite de très bonnes fêtes, un Joyeux joyeux Noël Noël! ou bon Noël aussi, non? Oui, joyeux Noël, bon Noël, on peut dire. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt. Oui. Ah, et j'ai oublié de faire ça. Ah ouais. Au Au revoir! revoir!